Vous êtes sur la RTVC et vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023, nous avons été richement bénis par le pasteur Boniface Meynier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, qui nous a entretenus sur comment affermir son appel, sa vocation. Je vous partage ce qui m'a le plus béni et que je vais garder comme une marque indélébile dans le cœur. Dieu t'a appelé par grâce. Ton affermissement dépend de ton travail. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? À vous de me le dire, à vous la parole. Moi, c'est le frère Ndako Fibintoba de Vancé. J'ai pour faiseur de disciples l'ancien beau Sévérin de Yopougon. Et j'adore à Bessikwa. Je suis dans la zone de Cocody. Et aujourd'hui, à l'enseignement, on a parlé de comment affirmer sa vocation. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et l'enseignement a vraiment ouvert mes yeux. Et j'ai compris qu'on peut être là et rester bébé spirituel là. Et quand tu es un bébé spirituel, le missionnaire dit, quand tu es un bébé spirituel, c'est une tragédie, ça n'aide pas, ça dit, ça ne peut pas aider l'Église à avancer. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours être en contact avec Dieu, c'est-à-dire écouter la parole, mettre la parole en pratique afin de pouvoir grandir. Et c'est en cela qu'on pourra maintenant accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Soyez bénis. Je suis le frère Kofi Arsène, dirigeant de l'Assemblée de la Carène d'Agban. La semaine numéro 1, la Carène d'Agban. Ce soir, j'ai été fortement édifié parce que Dieu nous amène à travailler franchement pour mériter la place que Dieu nous a donnée. Nous sommes d'abord des élus. Et puisque nous sommes déjà des élus de Dieu, nous devons travailler pour mériter la place que Dieu nous donne. Alors, ça nous amène à travailler d'arrache-pied pour pouvoir avancer et améliorer vraiment en tout cas les capacités que Dieu nous a données. Donc voilà un peu le message que j'ai reçu ce soir-là. Et je promets de travailler parce qu'à la Carène d'Agban, on a deux assemblées. Et ma prière, c'est que nous prenions les assemblées pour que, dans ma prière, Agban devienne un sous-centre. Voilà, pour que tous les gens soient vraiment convertis, les familles soient vraiment converties, pour être vraiment, en tout cas, pour pouvoir espérer avoir une place auprès de Dieu. Amen. Moi, c'est la sœur Gla Amira. Je dis, mon préféré d'ici, le pasteur Michel. Et j'adore l'assemblée du campus. Et il faut dire que les vérités qui m'ont marqué aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le thème d'enseignement tournait autour de la maturité. J'ai compris par là qu'il fallait aspirer à la nourriture solide, qu'il fallait laisser le lait. Et quand on parle de lait, on parle des fondements, l'abandon des œuvres mortes et tout. Que chaque disciple devait aspirer à la nourriture solide, c'est-à-dire qu'à apprendre d'autres choses pour lui aussi aller enseigner d'autres disciples pour qu'ils deviennent mûrs ensemble, qu'il ne fallait pas rester au lait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris. Soyez bénis, je suis le frère Isaac de l'église de Korogo. Et particulièrement l'enseignement de ce soir m'a touché en ce qui concerne la prise de conscience personnelle en tant qu'enfant de Dieu. J'ai retenu que, bien vrai que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous ne devons pas nous limiter à la simple grâce. Nous devons travailler de sorte à affermir cet appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et pour y arriver, il y a plusieurs points qui ont été énoncés par le pasteur, notamment le fait de lire, relire et étudier la parole à plusieurs reprises. Également, travailler au niveau des vertus personnelles, telles que la tempérance, la charité, et faire tout pour pouvoir devenir, en fin de compte, un dirigeant que l'œuvre pourra utiliser en vue d'atteindre notre but initial. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Bertin Niaoré, ancien de l'église d'Abidjan. Je dirige le secteur de conquête de Yopougon Sidessi. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le fait de lire la Bible, de plonger ses regards dans la parole de Dieu, d'être quelqu'un qui cherche Dieu par la parole de Dieu, pour être instruit, pour être enseigné, parce que c'est la parole qui transforme. J'ai l'habitude de dire qu'aucun homme ne peut transformer sa femme, ou aucune femme ne peut transformer son mari. Il n'y a que la parole qui bouleverse, et tu te repens et tu changes. Donc si chaque frère s'établit
dans la parole, dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, il y aura des grands changements. Il sera enseigné. Si chaque frère vient aux rencontres où il y a des enseignements, ces enseignements vont bouleverser sa vie. Et on aura des grands dirigeants. Oui, en fait, quand tu as été touché, ça change, les dons changent. Tu n'es plus la même personne. Parce que tu es transformé, tu ne peux pas rester indifférent quand la parole de Dieu te touche. C'est comme au moment de la conversion. Tu es touché, donc tu t'élèves pour aller là où on t'appelle. Tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est l'effet de la parole. La parole a un impact puissant. Donc quand ça touche le cœur, il y a des grandes transformations. Et c'est ça qui amène à la pratique. C'est ça qui amène au changement. On ne te demande même pas, ça vient tout seul. Quand on te pousse, fais ça, fais ça, fais ça. Ça, c'est la chair. Mais on peut t'exhorter. Mais l'enseignement vient bouleverser. L'enseignement vient corriger. L'enseignement vient briser même l'incrédulité. C'est en cela que l'enseignement est primordial. Parce que ça forme, ça transforme. Et puis, ça met la pendule à l'heure. À partir de ce moment-là, le dirigeant devient mature. Et donc, il peut entraîner les autres à lui, comme lui l'est. C'est-à-dire que, je veux dire, il veut entraîner les autres à être comme lui. Voilà un peu ce qui m'a touché aujourd'hui. Frère Béni, moi, c'est le frère Bélingois Ismaël. Je suis le disciple de l'ancien Bruce Sévérin. Et je suis dirigeant numéro 3 de la zone de Pougon, quartier millionnaire. Au fait, j'ai été béni par l'enseignement qui a été richement vraiment donné. Plusieurs vérités ont été annoncées. Voilà, si je peux m'exprimer ici, connaître d'abord Jésus-Christ, ensuite manifester la foi, et la foi maintenant appliquer des vertus telles que la miséricorde, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, et avoir la charité qui est supérieure à l'amour. Vraiment, j'ai été béni vraiment par ces vérités et que vraiment Dieu fasse de nous des gens matures pour faire son œuvre. Merci. Frère Edjem Messo Angelo, disciple du pasteur Meunier. Je suis responsable des évangélistes de la zone d'Abobo et dirigeant d'un secteur dans le sous-centre de Dokui. Aujourd'hui, le Seigneur nous a enseigné à travers son serviteur sur comment affirmer sa vocation, son élection en Christ. Ce qui m'a touché, c'est que le Seigneur nous a fait comprendre qu'en réalité, chaque croyant est responsable de sa vocation, de l'affermissement de sa vocation. Et pour affirmer sa vocation, il y a tout un ensemble de travail à faire. Le Seigneur nous a accordé beaucoup de promesses. En nous amenant à Jésus, il nous a remplis de toutes les capacités. Seulement que ces capacités sont comme petites à nous, comme un nouveau-né qui naît, qui a en lui toutes les capacités de devenir grand, mais qui doit manger, qui doit suivre toutes les alimentations qu'il faut pour pouvoir grandir. Donc, du moment où le Seigneur nous a bénis, nous a accordé les promesses pour participer à sa nature, de côté, chaque croyant doit travailler dur, travailler pour joindre aux capacités qui sommeillent en nous, que le Seigneur nous a donné, qui sommeillent en nous, travailler pour joindre à sa fois la vertu, la patience, la connaissance du Seigneur et la communion fraternelle, et toutes les autres vertus qui sont le fruit du Saint-Esprit. Mais ce qui est marquant, c'est que si le croyant ne travaille pas, alors il va rendre nulle la vocation que le Seigneur lui a tendue. Le Seigneur nous a fait comprendre que la grâce, c'est par grâce que nous avons reçu la vocation. C'est par grâce que nous avons été à choisir. Et c'est par le travail que nous confirmons, que nous affermissons la vocation, le choix que Dieu a porté sur nous. Je comprends donc que Dieu a fait sa part et le croyant doit aussi faire sa part
pour ne pas rendre vain la grâce que Dieu lui a accordée. Donc soyez bénis abondamment. Gloire à Dieu! Je suis la sœur Elisabeth Baléi et j'ai pour faiseur des disciples le pasteur Michel. J'adore à la cité présidentielle à Cocody. Je veux dire merci à Dieu pour ma présence aujourd'hui à l'enseignement qui a été vraiment riche en connaissances et en révélations. Donc, le pasteur Meunier a dit beaucoup de choses. Mais ce qui m'a marqué, il a dit actuellement, nous sommes dans une grande période de jeûne et de prière pour la croissance spirituelle et l'accomplissement du but de la troisième phase. Et il a dit que la croissance ne peut pas se faire avec les bébés. Donc, il faut que nous travaillions à être matures. Nous avons besoin des dirigeants pour pouvoir paître le troupeau que Dieu va nous donner. Et pour aller de progrès en progrès, tu dois pratiquer la foi et puis t'attacher aux promesses de Dieu et faire beaucoup de choses. Bon, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Voici un peu la vérité qui m'a marqué. Je suis le pasteur Didja Meda, je suis missionnaire à la Riviera basée au Rosier. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est que le leader nous a exhorté surtout à nous mettre au travail, c'est tout. Voilà, j'ai vu que si nous sommes enseignés, nous devons véritablement garder l'enseignement afin de pouvoir véritablement aussi enseigner aussi aux autres, ne pas rester toujours dans les rudiments. Recevant le lait, nous allons passer aussi à une autre étape, Voilà, grandir en fait, comme le missionnaire a dit. Donc grandir et avancer. C'est si nous recevons les enseignements, que nous oublions l'enseignement qu'on nous a donné, nous ne pouvons pas véritablement avancer, nous ne pouvons pas être efficaces pour donner aussi à notre tour ceux qui ont besoin de recevoir l'enseignement que nous avons reçu. Donc le missionnaire disait que recevant le lait, nous ne devons pas rester au stade du lait, mais nous devons véritablement grandir pour faire véritablement avancer l'œuvre, sinon le ministère qu'on nous a confié, nous devons véritablement faire avancer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Donc c'est ce que moi je veux dire. Je suis le frère Boli Jacques Arnaud et je suis un frère d'Abobo, semeur et dirigeant principal d'une assemblée. Aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui a été vraiment particulier, d'autant qu'il parlait de la maturité, du progrès spirituel. Mais ce qui vraiment m'a marqué, c'est les détails. Parce que le pasteur nous a enseigné aujourd'hui d'une manière, en tout cas moi, de manière révélationnelle, ce qui a été dit de ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut faire du progrès, ajouter à la fois des vertus, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on doit encore continuer à travailler jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau que Dieu veut qu'on atteigne. Donc, je sors d'ici en prenant une résolution de travailler sur moi-même déjà, de sorte à faire du progrès, surtout dans le domaine spirituel. Donc voici, je suis très content d'avoir entendu cet enseignement et j'ai hâte à le mettre en pratique. Voilà. Le frère Bosson Kofi André, je suis dirigeant d'une assemblée de Yopougon, précisément antenne 7. Chez la Kadji. Et il faut dire, aujourd'hui, il y a une vérité qui m'a vraiment fait du bien concernant l'enseignement donné par notre leader national, le pasteur Meunier Boniface. Et il a dit que, bon, je vais paraphraser, si l'eau pétine au sein de notre communauté, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont cru depuis fort longtemps et qui sont encore au lait. Et vraiment, c'est une vérité. Et le désir de Dieu, c'est de voir tout le monde grandir. Quand ceux qui ont cru avant nous ne peuvent pas diriger même une assemblée, le cœur de Dieu n'est pas réjoui. Et nous devons nous mettre au travail parce que Dieu nous a tout donné. Depuis le jour, Dieu nous a accordé son Fils Jésus-Christ. C'est un kit.
Donc on a tout pour grandir. Donc chacun de nous doit travailler pour grandir. Le leader nous disait que les personnes que Dieu avait choisies dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes, ce n'était pas plus grâce, mais ces personnes-là ont travaillé. Ils sont devenus de grandes personnes quand on lit leur histoire. Et à notre tour, nous devons travailler aussi pour avoir des dirigeants de qualité sur tout le temps du territoire et surtout dans notre œuvre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Pasteur Zagouri Georges. Je suis missionnaire à Abidjan. En faisant des disciples, c'est le pasteur Boniface Meunier. Et je suis en mission dans la zone d'Abobo. Précisément, j'habite à Belleville, rue d'Atiekwa. Que Dieu vous bénisse. En ce qui concerne l'enseignement de ce soir, ce qu'il faut comprendre, c'est le désir de Dieu de nous voir grandir. Le désir de Dieu de nous voir gravir des échelons, passer d'étape en étape en grandissant pour sa volonté. Cela demande qu'on comprenne que ce n'est pas un travail charnel, naturel. Dieu a fait en amont un travail. Il nous a octroyé une vie. Et comme un enfant naît dans le monde, là, c'est comme ça qu'on naît en Christ. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quand tu deviens chrétien, tu es un bébé. Et il faut grandir. Mais un bébé humain, vous voyez qu'il a, si c'est un petit garçon, il a tout ce qu'il faut pour être vu comme garçon. Si c'est une jeune fille, il a tout ce qu'il faut pour qu'on sache que c'est une fille. Ainsi en est-il de ceux qui naissent en Christ. Quand il naît, il a toute la capacité, toute la puissance en lui pour produire la preuve que Dieu existe. Cependant, physiquement, pendant qu'on est en train de marcher sur la terre, cela n'est pas suffisant. Il lui faut travailler volontairement lui-même pour ajouter à cette foi en Dieu-là des vertus qui lui permettent d'atteindre une maturité de telle sorte qu'il peut supporter les humiliations, par exemple. Donc l'apôtre Paul dit, c'est bon de parler toujours du baptême, des petites querelles entre nous, il va marcher sur moi, mais il faut arriver à un moment où ton frère marche sur toi et puis tu le bénis. Et puis tu l'appelles le lendemain pour dire que tu m'avais insulté hier là. Mais ça, ce n'est rien. Viens, on va aller à l'évangélisation. Avec une pleine confiance, avec une joie réelle. Comment les autres qui viennent vont devenir matures et conserver la vision en grandissant ensemble. Voilà pourquoi il est très important d'étudier cette question. Qui suis-je moi-même? Est-ce que j'ai de la maturité? Que faut-il faire pour que je devienne mature? Il faut laisser les petites choses qui retardent les relations, qui brisent même la foi de plusieurs. Il ne faut pas que chacun doit faire tout pour ne pas être en scandale aux autres. Par la petitesse, par l'enfantillage. Paul dit maintenant, laissons les choses d'enfant et grandissons. C'est tout le même message qui se produit là. Laissons les choses de l'amusement, des petites querelles pour avancer en homme mûr, capable de supporter l'insupportable jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Je suis le pasteur Waouloa Bertin, missionnaire à Zopé. J'ai pour faire des disciples le pasteur Meunier Boniface. Je veux dire merci au Seigneur pour ce grand enseignement que nous venons de recevoir ce soir sur comment affermir son appel. Personnellement, j'ai été béni parce que il y a longtemps qu'on nous a enseigné plusieurs choses. Et je me rendais compte de plusieurs de mes lacunes, les choses que je devais pouvoir maîtriser depuis longtemps, mais qui ont été mis en oubli et ça m'a rattrapé. En tout cas, pendant tout l'enseignement, j'ai beaucoup demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous a dit que
C'est vrai que Dieu nous a appelés, mais nous devons travailler pour affirmer notre appel. En faisant quoi? En fuyant le péché, en croyant aux promesses de Dieu pour nous. Et donc, toutes ces choses peuvent nous aider à grandir. Mais surtout, le but des enseignements qu'on nous donne, c'est de pouvoir être demain des gens mûrs, des gens que l'enseignement a pu transformer et qui peuvent transmettre à d'autres personnes. Donc je pars avec une grande détermination d'aller vraiment m'établir, étudier la parole de Dieu, étudier la vision qui nous a été donnée, et pour que le nom du Seigneur soit béni, pour que je puisse faire des gens, pour que les gens qui me suivent puissent aussi être bâtis et devenir aussi de grands dirigeants demain. Voici un peu ce que je peux partager sur l'enseignement de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les frères, toutes les sœurs avec la capacité d'affermir leur vocation en travaillant à leur maturation. L'actualité, les émissions, l'enseignement continue sur la RTBC, la chaîne de la Bible. Restez toujours connectés.